Les viols et les autres types de violences faites aux femmes et enfants demeurent un problème récurrent faisant plusieurs victimes au Sénégal, tant à Dakar qu'à l'intérieur du pays. Ces crimes sexuels s'accompagnent souvent d'autres types de violences et abus perpétrés sans discernement contre les victimes. C'est ce que dénoncent des femmes membres de plusieurs organisations à travers une marche ce samedi dans les rues de Jiguinchor. Fanta Sani de l'organisation Femmes Chic a porté leur parole. Nous organisons une marche pour dire non aux violences faites aux femmes, aux hommes et aux enfants, puisque ces derniers temps, on a constaté la recrudescence des violences qui sont faites aux femmes, aux hommes et aux enfants. Et comme c'est une journée qui est organisée au niveau national, on s'est dit, en tant qu'organisation de jeunes filles, pourquoi pas ne pas aussi organiser une journée pour montrer au Sénégal que nous aussi, ici à Jiguinchor, on a pu organiser une manifestation qui nous permettra de montrer et de faire notre cri de cœur par rapport à ce fléau qui est devenu maintenant un peu insupportable. En général, ce sont les femmes qui perdent beaucoup plus ces derniers temps. Comme vous le constatez tous, on a constaté qu'il y a trop de viols actuellement ici au Sénégal. Pas avant-hier, on nous a dit qu'à Louga aussi, il y a eu un cas, une jeune fille qui a été violée, elle n'avait que 8 ans. Ces femmes ont plaidé pour la criminalisation du viol, trop c'est trop, ont-elles scandé. Donc, nous exigeons qu'on essaie de criminaliser le viol. Il faut qu'on criminalise le viol pour permettre aux gens d'arrêter de commettre des actes ignobles, des actes qui permettent aux gens de perdre la vie facilement et dans un sens qu'on ne peut même pas expliquer. Trop c'est trop, actuellement trop c'est trop, dafa doy. Elles se sont aussi prononcées sur la question liée à la peine de mort. On ne veut plus de violence ici au Sénégal, on veut clôturer l'année 2019 avec zéro violence, nous prenons la non-violence. Nous ne voulons plus de violence, nous ne voulons plus de meurtre, plus de viol, plus de cas pareils. En tout cas, si vraiment c'est la peine de mort qui peut régler la chose, on est tout à fait d'accord avec le retour de la peine de mort. Les violences faites aux femmes, aux enfants et singulièrement aux petites filles ne sont pas des violences comme les autres. Elles méritent une sanction particulière pour stopper cette série noire des monstrueux crimes qui continuent encore et toujours de défrayer la chronique dans notre pays.